Alors voyons ça, chez toi il sélectionne le cordon avec le téléphone. Bon, ben c'est la prévisualisation, le finder d'objets qui marche pas comme il faut chez vous, mais si vous entourez avec l'outil sélection d'objets. C'est pour ça qu'il y a la possibilité d'aller choisir d'ailleurs, de le faire même au lasso si on veut. On peut même entourer quand on a des objets qui ne sont pas, qui tiennent pas dans un rectangle, on peut même les entourer comme ça. Voilà. À ce moment-là, le finder d'objets, vous pouvez même le désactiver, il ne vous sert pas. Et vous entourez la partie qui vous intéresse. Si c'est le cordon qui m'intéresse, j'entourerai le cordon. Voilà. Si c'est le téléphone qui m'intéresse, j'entoure le téléphone. Donc là, pour être tout à fait libre, à la place du rectangle, j'ai pris le lasso. Comme ça, vous êtes paré à toute éventualité. Et donc, j'ai désactivé Finder d'objets, puisque bizarrement, chez vous, ça n'arrivait pas à faire considérer que le cordon et le téléphone, c'était deux objets différents. Alors oui, avec la touche Alt, entourer le clavier. Et voilà, ça a fait un trou. Nickel.